connaissez ce concept? Oh waouh! Vous l'avez adoré en 2022, il revient en 2023. Pas avec n'importe qui, avec Squeezos en personne, le dirigeant de la communauté Squeezos. Salut mes petits Squeezos, mes petits loulous, on est sur la chaîne. Jordan. Pourquoi on est là? Non, je sais pourquoi je suis là. Parce qu'on va devoir trouver des petits gâteaux. Exactement. Mais qui sont sous forme d'objets. C'est vraiment une très bonne idée que YouTunes a eue. Le logo! Ah oui, on avait un débat sur le logo de quand Jordan il est apparu sur YouTube, le logo YouTunes, et je disais on le trouve terrifiant genre. Feldop, tu peux faire une analyse rapide? Pas de problème, je peux faire une analyse. Le logo de YouTunes est une des anomalies liminales les plus étranges que l'on ait pu trouver sur internet depuis longtemps. Je vais passer outre cet intéressant choix de police avec cet énorme contour noir, ainsi que l'habile ajout d'une note de musique à la place du U, astucieux, mais j'aimerais porter notre observation sur ce qui crève l'écran. Ce visage. Un visage maniaque, surdétaillé par rapport au reste de l'image, ne semblant montrer que des mauvaises intentions. On a fait venir la meilleure cake design artist realistic cake du monde, Red Rose Cake. On l'a fait venir en France exprès pour nous préparer les gâteaux d'aujourd'hui. Donc du coup, j'ai préparé deux lieux pour toi, toi, deux lieux pour moi, oui. Et un lieu en commun. Eh, hey, ça fait longtemps que je t'ai pas passé sur ta chaîne, tu m'invites plus? Bah si, je t'invite, mais... T'aimes plus que... Tu dis la vérité, tu me réponds jamais. Moi, je te réponds pas? Non. C'est arrivé, C'est arrivé. Cette vidéo se fait avec un partenaire de la chaîne, un partenaire même d'un événement où on était tous les deux. Regardez ce moment. Pas celui-là, ça c'était un autre truc qu'on a fait, c'était cool. Non. Non. Oui, c'est celui-là. Là, vous l'avez. Et ce moment-là précis, ouais, c'est mon crash. Zoomez un peu. NordVPN. J'ai un gâteau NordVPN qui va permettre de changer de lieu à chaque fois que je vais croquer dedans. Un peu comme leur fonctionnalité qui propose un... J'ai un gâteau NordVPN, à chaque fois je vais croquer dedans. Ça permettra de changer de lieu, comme leur fonctionnalité très connue qui permet de changer de pays pour pouvoir se connecter à un autre pays et donc accéder à du contenu potentiellement. Mais ça, tout ça, tout là, ça, tout ça, tout ça. Là, non, là c'était super. Ça c'était super, mais tout ça on en reparle un peu plus tard. Avant ça, Lucas, trouve le gâteau. Là? Ouais. Mais t'es un mytho, non? Mais non, mais t'es un mytho, on va bouger. Non, pas du tout. Là? Attends. Mais frérot, ça fait une heure, on est dans cette pièce, on discute avant de... Là, y a... là maintenant, là, il y a l'objet. Il y a complètement un gâteau. Attends, là, ça commence. Ça a commencé complètement. Mais il y a le chrono, il y a un truc, là. Il va falloir que tu pointes toutes les 30 secondes. Toutes les 30 secondes, je pointe. Attends, mais quoi, là? Excusez-moi. Rien n'a changé. J'ai tourné hier dans cette pièce. Rien n'a changé depuis hier. Et c'est parti, déjà. Donc là, je dois pointer... Non, dans ça fait déjà 4 secondes. Secondes, je dois pointer. Okay, okay. Tu dois pointer et croquer, évidemment. Il faut que tu croques l'objet que tu pointes. Putain, mais ça va être un objet de merde. Mais qu'est-ce que ça peut être? Non, mais non, mais ça, je vois très... Ça, j'ai ramené du Japon. Alors je t'ai fait un petit room tour pendant le collège dans le studio. Ça je l'ai ramené du Japon. Qui s'intéresse? Croque-le. C'est du vrai. Mec, je sais pas ce que c'est. Attends, je vais aller voir. Attends, parce que du coup je passe devant des trucs mais je les touche pas. Ça j'ai pas besoin de pointer et ça non plus. C'est trop vénère. Ouais. Ça c'est peut-être possible. Non mais c'est impossible, c'est une plante. Bon je pointe. Si tu pointes, tu croques. Mais... Mec, c'est un cactus, je vais pas croquer un cactus. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh, Oscar dans pas longtemps. Ça peut pas être ça. Ah ça mec. Non c'est le vrai, il fait 8 milliards de kilos. Non c'est sûr c'est le vrai. Ah c'est le vrai. Attends ça me rend fou, y a pas non plus 1000 éléments. Ah. Et tu le connais ce studio? Bien sûr que je le connais gars, mais en même temps tout est déjà là. Est-ce que c'est pas le Bob l'éponge doré? Attends, c'est le Bob l'éponge. Ah peut-être que c'est Bob l'éponge doré. Non c'est impossible frérot. Non, il y a de la poussière et tout. Oh putain. Ah, ça peut pas être non, ça. Non, c'est bien du plastique. Mais en fait, mec, j'ai même... C'est ça? Attends, ça se trouve, ça fait ça? C'est vrai que c'est possible. Attends, quoi? Non. En fait, j'ai l'impression que tu te fous de ma gueule et qu'il n'y a pas d'objet. Pas du tout, regarde. Tu te fous pas de ma gueule? Bah regarde, t'as quand même une tête, t'as l'air de... Genre t'as vraiment l'impression de te foutre de ma gueule. Tu me pointes du doigt. Ça va, je suis à 2 mètres, tu me pointes du doigt. Mais gars... C'est chaud par là, hein. Là, c'est chaud? Allez hop là. Eh, c'est pas ça. C'est un livre? Non, c'est impossible que ce soit un des livres. Ah, je découvre des... C'est un livre! Mec, j'ai juste cru que c'était un livre à moi dégueulasse! L'action que t'as fait, incroyable! Ah ouais? Là, je pouvais pas rêver mieux! Hein. L'action que t'as fait de vouloir tourner les pages! Alors mais, que c'est oui, sucre. Ça va, oui! C'est oui, du sucre! Oui. Parce que le gâteau! Il est là, frérot! Il est là. Oh, waouh! C'est. Ah! C'est un blick! Oh, sucre! Allez! Let's go! Est-ce qu'il est bon maintenant?
Non, ouais. Regardez la tranche, comment ça master brain. Attendez, là on va manger Blic, on va se nourrir de Blic, ça veut dire qu'on va se nourrir de toutes ces histoires de effrayantes. Et tu fais pas si bien, tu... Allez, santé mon pote. Santé mon Jordan. Malgré le fait qu'il n'y ait que 3 étagères, j'ai galéré. Ça promet sur la suite. Oh, le teasing de la suite. Et d'ailleurs, la suite, est-ce qu'on y passerait pas? Parce que ça va être à toi de me faire découvrir un petit gâteau. Mais avec grand plaisir. Hop, oh, c'est la tradition. C'est pas ça que je cherchais. On y va tous les deux. C'est pas ça que je cherchais, c'est ça. Le bâtard, il a retourné le vent, il est très fort. Lucas? Jordan? Qu'est-ce qu'on fait là? So here, we're next. Pourquoi tu parles anglais? Aucune idée. So we are just in front of Reroll. So it's a restaurant and now I fuck you up yesterday. So we have to go inside and we can see where is the cake. Ok, alors tout me va. Ouais. J'ai compris qu'on devait aller dans cet endroit pour trouver le gâteau. Il y a eu une phrase. Non, allez, viens, on y va mon frère, okay. on y va. Allez, let's go. Bienvenue, Jordan, au rural. Donc là, tu rentres et tu te prends une claque, tu te dis God damn, il y a tellement d'objets, tellement de trucs, que vais-je faire? C'est vert. Il est vert, le... Non, il y a un quiproquo là. Non, ah, non. Non, mais j'allais finir la phrase, tu m'as coupé, il y a un quiproquo. Non, je suis obligé de t'entendre un peu parce que là, c'est vraiment abusé, frérot. C'est vert, le fond. C'est vert, le fond? Non, le fond n'est pas vert, je veux dire, c'est vert là-bas. Parce que là, le fond est marron, là. Abonnez-vous pour cette vanne, elle était excellente. Le rural, c'est quoi? C'est entre 90 et 100 couverts, donc on est sur un restaurant... Combien? 300 couverts, donc voilà. Légèrement plus. Hey, une belle petite cantine ou quoi? Belle petite cantine. Allez, finito. Donc, juste... Oh, elle était à son prime, celle-là. Hein. On cut toute cette partie. Ça se passe derrière moi. Si je trouve le gâteau, c'est une masterclass. Hein. Arrête. Hey, ça me fait trop rire, les termes Twitter, frérot. Il y a des gens qui travaillent. Va leur dire... Oh, il retire son manteau, waouh. C'est Rocky, le type. Waouh. Waouh, il va me péter la gueule. Ouais. Mets-moi, excusez-moi, messieurs, je peux passer de l'autre côté ou... Ah ouais, ok. Non, mais il va pas vous déranger en train de bosser. Ah non, vas-y. Il dérange les gens qui travaillent. Il dérange les gens qui bossent. Ce type n'a aucune limite. Tu veux croquer des trucs quand même, demain tu vois au cas où c'est brûlant. Là, coup de pression, il vient de se prendre. Ah, attends, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Top déjà. Allez. Vas-y, allez. Bah oui, voilà. C'est peut-être ça. Hein. Bah non, c'est pas ça. Ah non, c'est du bois. Je suis désolé, j'ai l'impression d'être immiscé dans une vie privée là. Je te fais un croc ou pas? Un croc, monsieur? Je te prépare un croc. Non, mais dans 10 secondes, tu vas me faire un vrai croc par contre. Je sais. Bonjour. Ça croque. Ah bah c'est de la fonte, hein. Vas-y, croque. Non, c'est de la fonte. Attends, bouge pas, j'arrive. Pardon, messieurs, désolé. Mais il y a trop de trucs ici, c'est pas possible. Il y a trop de choses ici. Vas-y, mais non, mais tu veux pas garder top. Ça. Ah, mais non, c'est pas Jordan, un gâteau. Top. C'est pas un gâteau. Eh, c'est trop dur. Mais y a rien là que je peux pointer. Mais fais un tour, t'es... Si, ça. C'est brillant, hein. Ça, c'est brillant. Oh non. Il a bidé. Je pensais être à mon prime, je suis finito. Alors... C'est une vraie. Pourquoi elles font comme un gâteau? Que quelqu'un m'explique ce matériel. Là c'est la plonge. Je suis grave à l'aise là en tout cas. Oh non, je peux pas faire ça hein. Ah mais laquelle? Attends, quoi? Tu crois quoi? C'est une... Vas-y. Moi, c'est une... Non, mais attends. Attends, si je me trompe, je vais m'en vouloir tellement fort. Pointez, les gars, pointez. C'est le moment, là. Ok. Pitié. Ah, je suis pas sûr. Il a trouvé. Oh. Hey, il est pas ouf. J'ai tremblé. Il est incroyable. Incroyable, gars. Il est ouf, celui-là. Attends, mais je crois que ça, c'en est pas un aussi. Ça en est aussi. Ça aussi là. Ouais, ça aussi. Waouh, c'est vraiment chelou. Comment c'est bien fait, c'est fou. On a eu deux manches inverses en fait. Complètement. Il y a eu mon studio qui est vide, il y a que 6 trucs et je galère quand même. Et il y a eu la cuisine où il y a le plus d'éléments de l'histoire dans la cuisine. Et j'ai trouvé dans le même temps, parce que je suis un crack, pas loin d'être à mon prime. Eh, fais gaffe parce que on parle et puis on est finito. Rapidement. À partir de maintenant, j'arrête les 28h. Je suis prêt en tout cas à jeter l'éponge. Avant que tu croques le cupcake, est-ce que tu peux faire une annonce genre sur ce qui m'attend là? Bon, t'aimes l'art? Oui. Et ben voilà. Ah! J'ai l'impression qu'il a appuyé sur quelque chose de sensible. Ah! Allez, sors les émotions. C'est quoi ton prochain concept que je le pille?
Et d'ailleurs, évidemment, merci le rural de nous avoir accueillis pour ce concept-là. On a vraiment dérangé juste avant un service qui va être rempli, j'en suis sûr. Oui, c'est vrai, c'est juste avant. C'est juste avant le service. Partout, ouais. L'adresse dans la description, évidemment. Et merci au chef. Le chef qui n'était en fait pas un gâteau, félicitations. Et oui. Prochain lieu, exposition d'art. Lucas, on est juste devant une exposition. Tu aimes l'art ? J'adore l'art, et toi ? J'aime bien l'art, mais je préfère plutôt les plats un petit peu plus végétariens. Donc j'aime pas trop l'art, finalement. Hop là ! Bienvenue dans une galerie d'art, Lucas. Bonsoir, il y a forcément un gâteau ici. Le responsable de la galerie. Bonjour, bienvenue, bon, messieurs, dans la galerie d'art des cas. Tu n'es pas un gâteau ? Croque-moi et tu vas voir. Oh, il en... Non, Eric, t'as failli m'avoir, j'ai cru. Effectivement, il y a un gâteau qui est caché quelque part. Donc, tout est très mélangé, vous allez voir des choses très différentes d'art contemporain. Trop bien. Un peu issu du street art, issu du pop art. Trop bien. Alors. Très sympa en tout cas. Et pendant que Lucas cherche le gâteau, je vais commencer par vous dire que la meilleure offre pour NordVPN, elle se trouve dans la description, comme d'habitude. C'est très sympa, je passe un super moment. J'ai pas envie de trouver un gâteau, j'ai envie de kiffer. Ah, top. Non mais vas-y, je vais croquer de l'art. Non, je peux pas faire... Non mais ça me dérange. J'aurais pas croqué. Juste là. Okay. Hop là, c'était pas un gâteau. Overreact un petit peu, oui, histoire de faire un peu man, américain. Ouais. Zoom, changement de musique. Un VPN, ça vous permet plusieurs choses. Déjà, principalement de vous protéger sur Internet, de protéger vos données avec la protection anti-menace. Ça permet aussi de changer de lieu virtuellement. Par exemple, si vous avez du contenu indispo ou bloqué en France, comme cette toile, vous vous connectez dans un autre pays et vous pouvez y avoir accès. Et voilà. Mec, c'est sûr, t'as pris un tableau qui est le gâteau. C'est le plus logique. Wow, tu ne laisses rien transparaître. Ah, je ne laisse rien transparaître. Mais quel acteur. On peut revoir mon visage. Ah, c'est impressionnant, mon gars. Et un VPN, ça permet aussi de faire des économies. Selon les pays, il y a certains abonnements auxquels vous êtes abonné actuellement qui sont moins chers, comme Spotify par exemple. Comme pour les billets d'avion aussi, ou parfois se connecter sur un autre pays, ça permet d'avoir des billets un peu moins chers pour certaines destinations. Et comme je vous l'ai dit, dans tous les cas, la meilleure offre se trouve dans la description. Merci à NordVPN de sponsoriser cette vidéo. On reprend la chasse à l'exclusif. Let's go. Et pourquoi les artistes parlent plus et tout là? C'est quoi ça? Vous et après... Qui a fait quoi? Moi, je suis sculpteur. Non, toi, t'es pâtissier. T'as fait le gâteau que je dois trouver. T'es sculpteur, donc ouais, t'as fait une des... Des objets de récupération en métal. Stop. Ah, c'est toi qui as fait la celle qui vient croquer. Il me parle de son art. Et tu me dis stop, je dois croquer son art. Vas-y, je vais croquer un truc random. Qui a fait ça? Oh, ça c'est certainement un gâteau. Et non, ce n'est pas un gâteau, aïe, tu l'avais aïe, pas aïe, croqué zut. On peut relancer ce chronomètre. Mec, je suis sûr que c'est une toile. Blague à part. C'est forcément une toile. Ou un petit tableau. Mais c'est forcément quelque chose. Ça, c'est signé, donc je suis sûr qu'il est vrai celui-là. Ça, c'est signé. Ça, en gâteau, ce serait clairement la plus grande perf du millénaire. Donc t'es sûr que c'est une toile déjà? Bah, franchement, tu m'amènes dans une galerie d'art. Les sculptures, elles ont l'air réelles de ouf. Il y a trop de reliefs, trop de détails. Si j'avais fait ça en gâteau, c'est impossible. Ça, c'est signé, donc j'y crois. Et les petites touches comme ça de peinture, bim bam boum, impossible. Oh, petit trèfle à goldorade, j'aime énormément. Exactement. Ces petits détails en gâteau. Je sais pas, ça c'est possible en gâteau. C'est vrai que c'est possible, ça ressemble c'est un peu. C'est chiant parce que c'est plein de petits cubes à assembler, mais ça c'est possible. Mais c'est ça, frérot. Non. C'est une artiste espagnole. Qui fait des gâteaux. Des tableaux. Mais c'est ça, frérot. Mais comment c'est possible? Peut-être c'est une artiste espagnole qui fait des gâteaux. Vous êtes des. Les gars. Mais si, il est... Je suis en train de niquer une œuvre d'art. Mais frérot, j'ai les mains. Mais c'est une artiste espagnole qui s'occupe en fait de pulvériser des trucs qui collent les mains et comme ça tu dis ah non ça colle. C'est le gâteau. C'était prévu dans le truc ça. Mais tiens, cascadeur mais pas cascadeur. Il va bien? Ouais. Je suis navré. Je suis vraiment désolé. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est le gâteau. Hop là. C'est celui-là, mon frérot. C'est celui-là, il je est signé. Je sais que c'est le gâteau. Il est signé par l'artiste il Red est Rose signé Cake. Par l'artiste juste là. Red Rose Cake, donc oui, c'est bien lui. Est-ce que je peux me faire pardonner en te coupant une petite... Bon, super. On se rend donc au prochain lieu. Un cinéma, visiblement. Let's go. Bon, celui-là il est vraiment super. Tu vas un peu galérer. Pourquoi donc? Parce qu'il est très. Il est poussé celui-là. Soit tu trouves tout de suite, soit franchement, bah tu sais quoi, mate ce qu'il y a sur l'écran et à la fin de ce qu'il y a sur l'écran, tu te remets à chercher. Bah du coup, je vais regarder un film pendant 2 heures, c'est ça que tu veux dire? Non, c'est autre chose qu'il y a sur l'écran. M'intéresse ça. Je vois pas que c'est mon logo YouTunes. Non, parce qu'il fout trop la dep, on serait tous trop mal. Ah, ça marche. Tu me fais un petit remix? Est-ce que c'est bon pour vous? Oh! Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon pour vous? Bon, allez, au charbon. On y va? Allez, t'y vas. Parce que
pour moi. Waouh, wow, t'attends des fréquences inédites. Il y a des gens qui regardent. Il y a des gens qui regardent. Eh, vous êtes pas crazy de regarder un truc? Oh, je me sens mal pour toi, frérot. C'est pas mal de voir ta vidéo sur Big Écran. C'est très stylé, hein. Les gâteaux, bah, je leur demande. Oh, ce personnage. Mais moi, je suis sûr qu'ils sont. Et ça fait rire. Ça fait rire. J'ai fait rire les gens de ça. Et ça fait rire les gens du ciné. Ah oui, il y a un concept, je dois croquer. Ah oui, putain, pointe, pointe. Allez, pointe. Je vais te croquer dans ton sac. C'est pas un gâteau. Tu trouveras jamais, frérot. Ah oui, ça. Regarde, sa posture, elle a changé. Il est passé de homme fier à adolescent qui se cherche entre deux personnalités. Oh, c'est dur pour lui. Analyse, scan. Pardon, pardon. Pardon, pardon. Bon, les gars. J'importune les gens, encore une fois. Je vais essayer d'être discret. Il est sympa, Seb. Il a toujours la bonne punch, Seb. J'adore ce mec. Leur cerveau est capté par l'écran. Eh, hey, tu dois pointer là aussi maintenant là. Je peux pas croire. Je trouve pas parce que déjà il fait sombre. Oui. Et je suis pas sûr que tout le monde me connaisse vraiment. Ah, j'ai bien aimé son moment. Il était bien le gâteau sac. Hein. Le gâteau sac était fort. Putain, la grosse part quand même. Très ouf, je trouve un gâteau là. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Pardon, je passe un vite fait. Désolé. Ouais, puis bon, on sait que vous êtes des figurants maintenant, ça va. Pardon. Oh, je me fais chuter. Excusez-vous, pardon, excusez-moi. Oh, il trouve pas bon. Ah, j'entends des avis qui font mal au cœur. Jordan, mec, j'ai vu le truc là dans les 35 dernières secondes. C'est une dinguerie, mec. Rose bonbon là, c'est un truc de fou ce qu'elle fait. Oh, Red Rose Breaks là. Ah ouais. Je crois avoir vu, c'est vraiment stupéfiant. Rosa Sugar, elle a fait un truc de fou là. Je suis choqué, qu'est-ce que c'est drôle. Pourquoi t'as deux bouteilles? Ah non, c'est la tienne. Jordan, ça va? Non, en fait, j'arrive pas à le trouver. Franchement, là, t'es relativement tiède. Tu te réchauffes. Pardon. Frérot, t'es une braise. T'as vu quelque chose? Mon ref. T'as vu quelque chose? Ouais. Bien le film ou pas? Ouais, il est lourd. On peut applaudir en vrai. C'est cool, non, ce passager. Ouais, on peut tous applaudir, je pense, le film. Pourquoi t'applaudis pas? Pourquoi il applaudit pas? C'est le seul à pas applaudir. Mais oui, il est là, le gâteau. Il est juste là. Bien sûr qu'il est juste là, mais là... C'est une fausse main, mon frérot. C'est un faux bras aussi. Mec, c'est pas... Wow. Ça met mal. Oh, ça met mal. Ça me fait bizarre de croquer là-dedans. Waouh. Ça me dégue, frérot. C'est un putain de gâteau. La pièce à conviction, on récupère des mains au cinéma, ça n'a pas de sens. Les amis, on va changer de lieu maintenant pour partir vers le... Ah, t'es happé par ma vidéo là? Oui, je l'ai trouvé superbe. Ah bah, je te laisse regarder, moi je vais faire la suite, t'inquiète pas. On va changer de lieu, on va partir au nouveau lieu de Squeeze. Merci beaucoup. Ah, tu rigoles de la vidéo là? Ouais, c'est super. Ok. Ah. Non, on dirait que c'est fake. Merci à la salle Ice du CGR de Nanterre. On va enchaîner, on passe au nouveau lieu. Salle très bien. Qu'est-ce qu'on passe? You think that I'm running in place? Y'all really testing my patience. Right before I blow up the spot, I had to get back to the base. Non, la voiture c'est un gâteau. T'es un grand malade, Jordan. On vient à peine la d'arriver. La voiture, c'est un gâteau. Non, c'est pas un gâteau, c'est une vraie voiture. On est au Molitor. Qu'est-ce que tu dirais au Squeezie qui avait sa girafe derrière? On est dans un petit moment émotion de la vidéo, une petite musique émotionnelle maintenant. Dans 7-8 ans, tu vas faire une vidéo avec Jordan. Et sache que la voiture dans l'entrée, ce n'est pas un gâteau. Et toi? Moi, je dirais certainement, tu vas pas le croire, dans à peu près 7 ans, tu vas tourner avec Squeezie. Déjà, il m'aurait dit OK. C'est tout? Moi, je pense, ouais. T'as pas mieux là comme séquence émotion? Bien, faut que je vais te dire un truc. Qu'est-ce qu'il y a? T'es en train de péter dans le sas. Écoute Lucas, ça va se passer je pense à l'extérieur. Ah. On est bon? Attends, c'est quoi ça? Attends, je viens de passer devant quoi là? Avance, frérot. Il y avait genre 20 personnes immobiles. T'inquiète. Dans un coin de l'endroit si vaste où il y a rien. Asseyez-vous. Mais c'est quoi le concept? T'as changé? Qu'est-ce que tu prépares? Mais non, c'est le même concept. Lucas, il y a quelque chose qui te correspond bien aussi, je trouve. La mode. Même voir des défilés. Ah non, ça va défiler là. De plus en plus.
Eh bien pour toi spécialement, Lucas, j'ai prévu un petit défilé. Tout ce petit défilé organisé par The Couples, merci à eux. Je le porte même sur moi. Trouve le gâteau. Là, il y a que du vrai, là, il y a que du vrai. Et là, il a arraché ses rideaux en velours, il a pété les plombs, il a fait une tenue, regarde ça. Non, le sac, c'est impossible, ce serait une œuvre d'art. Lui, il a juste un costard, je sais pas ce qu'il fout là, il s'est incrusté, lui. Lui, il s'est incrusté, il faut le virer. Ah, c'est pas facile. Ok, bon, les gars, ça peut pas être des chaussures, ça s'écraserait. Ça peut pas être un vêtement, parce que tu peux pas faire des plis. C'est attends, donc Lucas, forcément un accessoire. Attends, je suis en pleine masterclass. Laisse-toi, t'es finito. Moi, je dis, c'est forcément un accessoire. Jordan, je suis un tryharder, je suis désolé. C'est ce sac ou ce sac. Et pour moi, le plus chelou des sacs, c'est... celui-là. Donc on croque dans le sac, là? Si j'ai trouvé, je suis un fucking monstre. C'est pas ça en cuir. Non, j'ai pas croqué là-dedans. C'est pas ça du tout, c'est pas ça du tout. Attends, mais ils vont redéfiler, là? Dans le froid, là, comme ça? Je l'ai. C'est pas un sac, c'est cette fucking... casquette et elle a imité les plis et c'est incroyable. Rose Sugar Cake, elle est trop forte, frérot. Il a dit 5 fois le blaze, pas bon, hein, pas le bon. Non, c'est pas ça. J'aime ça, mais putain, comment c'est possible? Non, c'est pas ça. Mais tu tiens tes casquettes comme un robot. C'était comme ça, c'est pas possible. Putain. Bah non, et donc pas du tout ici. Pas du tout ici, tu peux aller au show. Toi, c'est franchement le velours et tout plié, machin, c'est... Non, c'est pas impossible, impossible. Il s'en va. Là, j'ai encore un doute sur le sac, mais vu la texture et tout, c'est impossible. Le reste, ça me semble être du textile qui vole. T'es libéré, toi, c'est bon. Juste ici, on est sur un costard qui va plutôt bien à cette personne. Ouais, qui marche bien. Du coup, l'élément, ce serait peut-être... Ah, c'est... Oh ! Elle est belle. De quoi tu parles? De la cravate? Bâtard! Oh, regarde, je peux même... Je peux même la sortir. Mais oui! Waouh, bravo! Waouh, je te ferai, elle est belle! Merci. Mec! J'ai rien vu! Waouh, bravo, mec, c'est vraiment super! Le chien! Mec, t'es trop fort, Jordan! Ah, c'est pas les mêmes t'es un tueur, hein. Bravo, okay. Frérot! Merci, c'est merci. Vraiment. Mais même, regarde! Ouais, la souplesse est aussi bien! Elle pourrait sortir dans le commerce! Tu peux arracher un petit bout? Ouais, comme bien ça, sûr. On goûte! Tiens! Merci! Un peu de cravate! Frérot, c'était grandiose! En fait, j'étais persuadé que ça allait pas être un truc de tissu. Parce que j'ai sous-estimé Bonbon Cake Purple en me disant qu'elle saurait pas faire les plis du tissu. Alors que en fait si, elle est trop forte. On va passer donc à la dernière manche. Et on est ensemble là cette fois. On est versus la prod. Mais non. Lucas, c'est super. Le dernier gâteau à trouver se trouve ici. C'est une imitation de verre, je crois que c'est du verre les trucs sur les piliers. Alors, on va se rapprocher un peu plus. Oh, c'est un piment! Je viens de réaliser, frérot, j'avais pas vu ce qu'il y avait dans le truc en verre. Et imagine, frérot, on le trouve en premier, comment on nique la vidéo, c'est où? On tue la vidéo, mais par contre, on est des héros. Je peux pas le dire. On est héroïques. On est des craquitos, voilà, c'est bon, je l'ai dit. Non, on fait une masterclass. Arrête, non, frérot, putain, t'étais à ton prime, mais t'es finito, t'as pas fait de masterclass. Vas-y en premier. T'en choisis, hein. L'épée, ça fait rire qu'on se le dise. Oh. Frérot, tu rigoles, tes propres paix. Bon, allez, vas-y. Qui va en premier? Tu vas en premier? Vas-y. Lucas, je t'attends ici. Il y a un piment au gâteau, c'est incroyable. Sachant que tu as 30 secondes pour en prendre un, là. Moi, eh mec, ils ont tous la même gueule. Il y en a un seul qui a une gueule différente. Moi, je suis sûr que la prod, ils l'ont mis devant nous. Combien de temps? Ah, ouais. 20 secondes, Lucas. Jordan, c'est pas la première rangée. Jordan, c'est pas la première rangée. C'est pas la première rangée. Ouais, je vais en prendre un. Je vais... Non, c'est celui là-bas qui faisait le plus. Hop là, alors le cardio, toi. Alors, on a du mal à me suivre ou quoi? Alors. Ok, j'y vais. Il me bute celui-là. Ah, mais non, mais moi, c'est que du plaisir. Non, mais c'est que du content man. Mec, c'est le gâteau. Mec, c'est le gâteau. Non, c'est. Mec, c'est le gâteau. C'est le gâteau! T'as l'air heureux! Eh, t'es un bat mec, t'aurais pu mettre des. Eh, frérot! C'est phénoménal! Ça! C'est pas le petit piment! Eh, j'adore le piment en plus, moi! C'est quand même en train de me décapiter la gorge! J'y vais? On fait un relais, ok? Allez! Ok! Par contre, fais vraiment doucement sur le. Le croquage? Ah ouais, mec!
Oh sa mère. Pas la première rangée, il m'a dit pas la première rangée. Je vais essayer la deuxième rangée. Non mais là on n'y arrivera jamais en faisant ça. J'ai 30 secondes là. Regarde la queue verte, je pense que la clé c'est la queue verte. Bien sûr que c'est la queue verte. Waouh. Ah c'est du vrai de vrai les gars. C'est quoi le... C'est quoi la variété de piment? Je prends lui. Tu penses? Non, t'as pris au pif. Oui. Ils se ressemblent tous, y a aucun... Je ne trouve pas. Oh, quoique, ça me semble un petit peu étonnant. C'est sûr, il a pris un piment. Il a fait au pif. T'as pris un petit bout aussi? Ah non mais j'en faisais pas des caisses frérot, je te dis la vérité, il pique vraiment fort le truc. Non vraiment, mais il est bon, c'est ça le pire, il est vachement bon. Lucas. Ah non mais je le vois à ta tête frérot. Toi, fais le piment. Mec, je t'ai dit il fait mal de ouf. Vas-y j'ai mon pote. Je t'ai dit il fait mal. Ok je vais passer en mode speedrun, c'est parti. C'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. C'est pas lui. Pas mal. C'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui. 6 secondes. C'est pas lui. C'est pas lui, il est arraché. C'est pas lui. Tu sais ce que je regarde, Jordan? C'est lui. Jordan. Tu l'as? La vie de ma mère, c'est lui. Si tu l'as, c'est génial. Et ça sonne que maintenant. Frérot. Tu me fais confiance ou pas? C'est le gâteau, mec. Tu l'as? Je te jure que j'ai si le gâteau. Si tu l'as, on s'est évité probablement de crever, là. Je suis tellement sûr de moi que regarde. C'est le gâteau! Très bon, hein. En fait, tu sais ce que je regardais? Je regardais le bout parce qu'il était vraiment bien fait, hein. Je regardais le bout du truc. Ouah, ben oui, carrément. T'as vu? C'est le petit bout du truc vert avec le point. C'est le bout du truc vert en fait, ouais, regarde, si je mets ça là avec. Ah, un peu dégueu. Un peu dégueu, oui. Celui-là. Les gars, je suis désolé, pour vous là, vous vouliez nous voir manger plein de piments. Eh ben non. Eh non, il était beaucoup trop chaud. Non mais déjà en fait, j'ai mangé le premier, j'ai vraiment pris cher, et je me suis dit, je veux plus que ça m'arrive. Non mais vraiment. Lucas, bravo. T'as été un craquito sur cette manche. Oh non. Ok, tu sais quoi, je te donne 10 secondes pour dire tous ces mots. Non, tous ces mots pour la dernière fois. Tu fais partie de la légende, t'es un craquito qui a son prime. Très loin d'être finito, t'enchaînes les masterclass que des bangers. Waouh, ça fait du bien. Ça a dû te faire du bien, ça fait du bien. Ça m'a fait du bien autant que j'espère que ça vous a fait du bien cette vidéo. Oh, mes transitions toutes faites, vous êtes youtubeur. Merci à tous et à toutes en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Merci à NordVPN de l'avoir sponsorisé. Merci à toi, Lucas. La cravate, je l'ai encore là. Il est imité le tissu et tout, je m'y attendais pas. On peut clairement dire que c'était une masterclass et que j'étais finito après ça. Putain, merde, pardon. Ça m'a échappé. Qu'est-ce que tu fais? On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci, Lucas. Merci, NordVPN. Tout le tchao. Tout simplement. Il est beau. Il est bien celui-là. On s'en va dessus. On s'en va.